Maintenant c'est fait, super sympa. Allez, salut. Ah merde, attends, on a oublié le débriefing. Le quoi? Le débriefing de la soirée, il faut qu'on... Alors, allez. Voilà. Alors, bon, on est d'accord, je pense, globalement, pour dire qu'on a tous passé une soirée super sympa. Mais je voudrais revenir sur quelques points de détail. Nathalie, t'es arrivée les mains vides? Non, j'avais ramené du mousseux. Que t'as bu pratiquement toute seule, donc ça compte pas. Hein, moi, j'ai acheté des chips au vinaigre pour te faire plaisir, parce que je sais que les chips au vinaigre t'aiment ça, alors que les chips au vinaigre, c'est dégueulasse. Nathalie, je vais te mettre un 5 sur 10 en savoir-vivre. Marc et Sophie, bon, vous êtes amoureux, c'est bien, on est content pour vous. Mais enfin, bon, passez la soirée à vous embrasser devant des célibataires. Pensez à Fabrice, qui a paniqué depuis un an. Non, mais ça me dérange pas. Et puis un moment, Marc, tu te souviens, t'as fait une blague. T'as fait une blague qu'on pourrait franchement assimiler à de l'antisémitisme. Tu vois? Et devant Fabrice, qui n'a paniqué depuis un an et qui est d'origine juive, je trouve ça moyen. Tu vois, il a dû super mal le prendre. Non, ça me dérange pas. Mais si c'était antisémite! Alors, peut-être qu'en tant que membre du peuple élu, alors tu décides de pas trouver ça choquant, tu dis rien. Très bien, c'est ton choix. D'ailleurs, en parlant de rien dire, t'as rien. C'est ça que t'as fait la gueule toute la soirée. Alors, oui, alors peut-être que c'est ta première sortie depuis ta grave opération de l'anus à l'hôpital. Voilà, bon, très bien. Mais écoute, si tu veux faire la gueule, faut pas venir. Hein? Parce que nous, on fait des efforts, hein, Fabrice. Nous, on a tous fait semblant de pas remarquer ta bouée ignoble, dégueulasse, là. Bon, alors voilà, fais un effort pour nous aussi. Souris, putain. On récapitule. Alors, je vais mettre 5 sur 10 à Fabrice. Je suis sympa parce qu'il a le cul en compote. Marc, je vais mettre 3 sur 10 avec un malus d'incitation à la haine raciale. C'est moins 3, ça. Hein. Donc 3 moins... Bah, 0. Voilà. Donc, je vais demander de sortir, Marc. Quoi? Tout de suite. Tu sors chez moi. Allez, maintenant. Dégage! Et la petite Sophie? Alors, Sophie, je vais lui mettre 2 sur 10 parce qu'à un moment, je sais pas si tu te souviens, t'as parlé politique et ça m'énerve. Mais voyons, Sophie, on ne parle pas politique dans une soirée entre amis. Tu veux qu'on s'engueule? C'est ça! Et puis, il y a un truc que j'ai pas supporté, et ça vous concerne tous. J'ai acheté une nouvelle machine à popcorn, hein? Là! Et personne, je dis bien personne, ne l'a remarqué. Alors vous m'auriez dit, ah oh bah tiens, t'as acheté une nouvelle machine à popcorn et tout. Je vous aurais pu vous raconter que je l'ai acheté à une brocante, et que sur le chemin du retour, j'ai croisé Francis Lalanne. Et ça aurait été une super anecdote! Super sympa! C'est pour ça que je l'ai pas dit! Bon, allez, salut, à la prochaine! Salut! Salut Fabrice, sois prudent sur la route! Et on s'appelle, on se met ça vite! Hein? Et c'était vraiment super sympa!